Bonjour, c'est Daniel. Je me trouve actuellement au plateau de Solaison. L'idée est de monter au rocher de l'Échaud qui se trouve voilà, derrière moi. Aujourd'hui, beau soleil, mais un vent assez fort. Je crois qu'il y a 130 km par heure qui sont annoncés en Bretagne. Donc on va voir au sommet ce que ça donne. Peu de neige ici. Donc pour l'instant, c'est moi qui porte les raquettes et non le contraire. Voilà, à suivre. Hey, du cynorhodon. Ah, il y en a tout plein là. Ouais, c'est superbe là, avec les glaçons. Magnifique! Ouais, trop beau. Et vous avez vu la grotte ou... La grotte, elle est juste là. D'accord. Puis après, ça va sur la gauche, mais après, on n'a pas très bien vu le chemin après. Alors. C'est plus notifié bleu, c'est notifié rouge. Voilà, je viens d'arriver. Alors, je pense que c'est lisible. Grotte de la Glacière. Glacière aurait amplement suffi. Donc, c'est un grand trou. Je vais essayer de me déplacer. Là, je pense pas qu'on puisse descendre. Voilà. C'est assez profond, quoi. J'arrive pas à voir côté gauche là. Et puis on va regarder en haut. Voilà. Assez impressionnant, quoi. Là, le passage devient plus délicat. Faut sortir un petit peu les mains des poches. C'est beaucoup plus pentu. Allez, je montre, ça tourne. Voilà. Presque à gagner. Là, je suis toujours à pied, j'ai pas les raquettes. On va voir si ça passe. Ouais, bon, le secteur est assez pentu. Mais ici, qu'est-ce que c'est joli. Et puis là, il y a le renard qui est passé. Sympa, non? Voilà, un petit passage raide avec une corde. On la voit, on en voit une autre là qui est attachée à l'arbre. Et ça file sur la gauche. Y va quoi. Allez, encore un petit passage avec une corde, là juste à droite là. Et puis ça a l'air de ressembler à un col là-haut. Oh, magnifique. Hop là. Ah, voilà. On va suivre le renard. Voilà, sorti. Ouais, super. Trace d'un ongulé, chevreuil ou chamois. Un petit peu de mal là comme ça. Où est-ce qu'il est allé? Ah ben lui il a voyagé. Voilà, je peux enfin mettre les raquettes. Alors ici je suis dans un secteur nord. Nord. Donc il y a pas mal de neige. On verra si. Alors si je suis au nord, ça ferait quoi? Ça ferait du ouest peut-être. Ouais, est-ouest, faudrait que je regarde sur la carte. Si ça n'a pas trop fondu. Sinon, c'est sympa, quoi. Joli, hein? Cool. Et il y a un de ces gouffres-là incroyable. Bon, là, le chemin, j'ai un petit peu perdu. Mais on va soupçonner que ça passe par là. C'est-il pas beau ici? Bientôt au soleil, là, d'ici quelques secondes. Et magnifique. Poudreuse. Quelques traces de renard. Ouais, la vie est belle. Et magnifique. Bon, il y a du vent, mais il y a du soleil. C'est vous qui êtes monté à pied? Voilà. Vous êtes arrivé avec les raquettes, là? Ouais, ça enfonce quand même pas mal, hein. Ouais, mais c'est dans les lapiales, bon, c'est plus dans les lapiales. Ouais, dans les lapiales, faut... Ouais,
faut faire gaffe, il faut faire attention. Hein. Ouais, mais en suivant le chemin, quand même. Vous allez jusqu'au sommet ? Non, on n'y a pas pu y aller. Trop de neige ? Ouais. Dommage pour les raquettes. Alors... hein. Ouais, mais en plus, on les a dans le coffre. Ah, ça, c'est... alors ça, c'est ça, c'est une erreur de débutant. Hein ? En plus, on s'est déjà fait piéger ici. D'accord. Donc encore jamais 203. Il vous manque encore une fois pour comprendre. Et cool, un cimetière à Cairn. Oh, ça c'est beau. Ouais, superbe. Superbe. Magnifique. La belle vie, hein. Il y a un peu de vent au sommet, mais là c'est abrité. Allez, c'est l'heure de la pause. Bon appétit. Alors ici je navigue à vue, plus aucune trace de chemin, quoi. C'est sous la neige. Hein. Et puis les lapias, là, parfois on met les pieds dans les lapias. Voilà, c'est un peu la difficulté du coin. Sinon, c'est très joli. Et c'est hyper magnifique. Superbe. Et l'Arve, le Léman, le Jura tout au fond. C'est magnifique. Voilà, retour à Solaison, très joli là, lumière de fin du jour, pointe d'Odet en face, pas beaucoup de neige, mais par là où je suis descendu, c'était tip top. Bonjour.